Valenciennes 12e accueille Brest 3e. Attention au Stade Brestois, extrêmement en confiance et en forme. 5 victoires consécutives déjà pour l'équipe bretonne qui espère continuer comme ça. Valenciennes de son côté est la pire défense de Dominos Ligue 2 avec le Red Star. 17 buts encaissés déjà. Le Red Star va donc espérer tenir et peut-être marquer, pourquoi pas, sur ce genre de coup du sort. Un contact dans la surface, un pénalty accordé par Benjamin Le Paysan et transformé par Tony Mauricio à la 19e minute. Situation parfaite pour l'équipe de Reginald Drey. 3e but de la saison pour Mauricio grâce à ce pénalty. Mais Brest réussit à revenir grâce à ce ballon sur le poteau. Et ça revient dans les pieds de Johan Cour. 32e minute, égalisation brestoise. Premier but de la saison pour Cour. Un but partout entre les deux équipes. Valenciennes n'a remporté qu'un seul match sur les 7 dernières rencontres et veut absolument reprendre l'avantage avec ici Gaëtan Robaille. Mais c'est sur le montant du but gardé par Gauthier Larsonneur. Pas de réussite pour l'équipe de Valenciennes qui ensuite subit une grosse opportunité sur cette relance complètement loupée. Gaëtan Charbonnier en profite à l'heure de jeu. Brest prend l'avantage et mène 2 buts à 1. Le 9e but de la saison pour Charbonnier en 10 matchs alors qu'il en avait déjà mis 9 en 25 matchs la saison dernière. Son total final lors de l'exercice précédent. Charbonnier est donc en très bonne forme. Et Brest réussit à obtenir un pénalty au bout du match. Les arrêts de jeu, 92e minute. L'arbitre a pris sa décision. Un accrochage qui provoque ce pénalty d'Edouard Butin. Alors que Hilel Konaté était parti du bon côté, Butin marque quand même son premier but de la saison. Brest se détache définitivement. Brest est dans une forme étincelante grâce à ce succès 3 buts à 1 sur le terrain de Valenciennes. C'est la 6e victoire de suite.